Bonjour, bien-aimé. J'aimerais faire quelques prières pour toi. Vous savez, la vie est stressante et souvent si stressante que nous ne la comprenons pas. Mais la réalité est que il y a des forces qui semblent vouloir nous maintenir dans notre état. C'est l'une des raisons pour lesquelles, chaque fois que nous décidons de faire un pas en avant, nous sentons qu'il y a des blocages, des combats et des oppositions que nous ne comprenons pas. Le fait est que si nous sommes fatigués, découragés, au point de vouloir tout abandonner, ça ne changera rien. Cela ne fera que l'affaire de l'ennemi. C'est pour cela que j'ai pris l'initiative de partager ces prières qui vont suivre avec vous dans l'optique de vous aider à déclarer des paroles pouvant vous aider certainement à sortir de cette situation. Vous écoutez en ce moment Éloge Ekissi du Canada dans l'objectif de vous aider à sortir de l'impasse. Pour bien exécuter ces prières, il y a un procédé que j'aimerais vous expliquer. Durant l'écoute, s'il vous semble que je suis un peu rapide, appuyez sur la touche pause pour bien répéter les paroles qui vous intéressent avant de continuer. Si par exemple j'ai dit Seigneur Jésus, débloque tout ce qui est bloqué dans ma vie au nom de Jésus, vous faites une pause et vous répétez la prière jusqu'à ce que vous soyez convaincu de l'avoir bien faite avant de progresser. Voilà, tout est dit. Maintenant, avant de commencer, nous allons dire merci à Dieu pour l'occasion qu'il vous donne. Il ne s'agit pas de répéter ces prières, mais vous devez y croire après les avoir déclarées. Et ensuite, agir selon ce que vous aviez dit et croire. Et vous verrez cela s'accomplir tel que la Bible nous dit. Parce qu'il est écrit que si vous demandez quelque chose et que vous croyez l'avoir reçu, vous verrez cette chose s'accomplir dans votre vie. Alors, commençons à prier. Répétez avec moi, Seigneur Jésus, merci pour l'occasion que tu me donnes de m'adresser à toi. Si ces prières sont venues jusqu'à moi, tu as certainement une raison de me les faire parvenir. Tu as certainement entendu mes cris. Et tu m'as envoyé de quoi m'adresser à toi. Merci de t'être souvenu de moi. Que l'honneur et l'adoration te reviennent parce que je suis convaincu que bien avant que je termine cette prière, tu m'exauceras car il est écrit, avant que tu m'invoques, je t'exaucerai. Avant que tu cesses de me parler, je te répondrai. Merci Seigneur pour cette promesse divine, car je la possède aujourd'hui au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, ça c'est juste l'introduction. Mais vous savez bien qu'on ne peut pas s'adresser à Dieu sans lui avoir demandé pardon pour nos péchés. Nous allons donc dire quelques paroles pour nous affranchir de tout ce qui peut permettre à l'ennemi de bloquer cette prière. Répétez avec moi. Seigneur, pardonne-moi mes péchés. Toutes les voies peuvent paraître justes aux yeux des hommes. Mais toi, notre Créateur, tu sais quand nous agissons mal. J'ai certainement agi par ignorance.